Stella Sassou Nguesso est allée à la rencontre des mandants de sa circonscription électorale à Kintélé. Au cours de cette descente parlementaire, elle a informé les habitants de la campagne d'échographie gratuite au centre de santé intégrée de Kintélé, ainsi que l'état d'avancement des travaux des rénovations de la route nationale numéro 2. Par rapport à cette descente, on a prévu une action sociale pour s'occuper des malades qui ont besoin d'échographie. Parce que y a beaucoup de gens qui n'ont pas assez d'argent pour aller faire les échographies. Et donc là, on a accordé 150 échographies gratuites à Kintélé. Je suis venue voir les travaux, comment ça a avancé. Et j'ai parlé avec les techniciens qui nous ont expliqué un petit peu comment ils ont travaillé et quand est-ce qu'ils ont l'intention d'arrêter les travaux. Mais vraiment, on va faire le minimum. Hein. Cette annonce faite par la députée de Kintélé a été bien accueillie par les habitants qui ont pris d'assaut le centre de santé intégré de Kintélé. Je suis très ravie de participer à cette expérience. C'est bien, ça aide aussi. Parce que beaucoup de femmes ici, elles en ont besoin. Donc c'est bien qu'elle a pensé à nous. Et je la remercie. Qu'elle continue comme ça, c'est bien. C'est ce qu'on attend qu'elle fasse pour nous. Je la remercie vraiment. Profitant de sa descente parlementaire, la députée de Kintélé, Stella Mensah Sassou Nguesso, a apporté quelques présents aux notables de cette localité. Question de les souhaiter une bonne année 2024.